Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous retrouve aujourd'hui pour mon habituel retour de course de la semaine que j'ai fait cette fois-ci à Super U. Donc nous allons commencer par le surgelé. Et en surgelé, j'ai pris des épinards en branche comme ceci. Des champignons de Paris émincés. Et enfin, j'ai pris le trio de fleurettes avec à l'intérieur du chou-fleur, du brocoli et du chou romanesco. Je poursuis avec le frais et donc par la viande. Donc j'ai pris à nouveau des aiguillettes de poulet comme ceci. J'en ai pris 2 paquets. De la viande hachée dans le rayon des promotions, du coup j'en ai pris 2 paquets. Je l'ai eu à 4,19€ et il y en a exactement 650 grammes, donc voilà, c'est pas mal. Ensuite j'ai pris des cordons bleus comme ceci. Et enfin en charcuterie, j'ai pris des allumettes fumées. J'ai pris des steaks de jambon comme ceci. J'en ai pris 2 paquets simplement parce qu'ils sont par deux. Parfois ça change les repas à faire ça. C'est vrai que j'y pense pas tout le temps, mais des fois des steaks hachés de jambon, c'est pas mal. Ensuite, j'ai pris du rôti de porc. Alors, il y en a que 2 tranches. J'ai pris du rôti de poulet. Donc là, il y en a 4 tranches. J'ai pris du blanc de poulet aux herbes, comme ceci. Là aussi, il y en a 4 tranches. Et j'ai pris aussi 2 paquets de jambon blanc sans couenne. Voilà. Et donc, elles sont par 4 tranches aussi. J'ai pris du chorizo fort comme ceci et du saucisson cochenou. J'ai pris une pâte brisée pour faire une tarte dans la semaine. Bon, de temps en temps je fais la pâte, des fois j'ai pas envie, donc voilà. J'ai pris des œufs. Donc là, il y en a 20 plus 4 offerts, donc c'est pas mal. Et ensuite, j'ai pris des yaourts, mais pas pour nous parce qu'on en avait déjà pas mal. J'ai pris pour mon mari, donc des clafoutis aux pommes. Je lui ai pris la tarte tatin aux pommes au doux caramel ambré, donc je sais pas ce que ça vaut, il me le dira. Et puis des babas au rhum et à la chantilly. Voilà, je ne sais pas si vous voyez comme c'est fait. Ensuite, j'ai pris de la crème liquide de la marque Super U. Et enfin, j'ai pris 2-3 trucs de fromage. Donc j'ai pris des genres de vaches qui rient pour mettre dans ma soupe de potimarron. Une bûche de chèvre et évidemment 2 braises bleues comme ceci de la marque De U. Continuer avec les fruits et légumes. Donc en fruits, j'ai pris simplement des bananes parce que la dernière fois j'avais acheté pas mal de mandarines et il m'en reste, et du raisin d'ailleurs. Voilà. Et en légumes, j'ai pris évidemment un potimarron pour pouvoir faire ma soupe de potimarron à la vache qui rit. Je vais continuer avec l'épicerie salée sucrée, à savoir que j'ai pris pas mal de légumes en conserve. Donc j'ai pris de la macédoine de légumes, des petits pois carottes, des salsifis
et des champignons de Paris. Alors vous allez me dire, oui, mais tu en as acheté aussi en congelé. Simplement, mon mari préfère ceux en boîte que ceux en congelé. Donc voilà, j'en prends pour tous les goûts. Et enfin, des haricots verts casse-grain, ceux que je préfère, ceux qui sont bien fins, qui sont sans fil. Et franchement, bon, c'est sûr, on les paye un peu plus cher, mais ils sont très bons. J'ai pris aussi des pâtes. Donc j'ai pris des coquillages. Et des penées. Voilà. Avec le froid qui arrive à grands pas, j'ai pris deux soupes comme ceci aux 8 légumes. Parfois je fais ma soupe, parfois je mange de la soupe toute faite. Ça vaut pas quand même une soupe faite maison, mais voilà, ça dépanne. Et puis pour les petits apéros, j'ai pris des tortillas comme ceci et des chipsters. Au niveau du sucré petit déjeuner, j'avais pris aussi pas mal. Donc j'ai pris des tartines petit-déj. Je pense que c'est nouveau, j'avais jamais vu ça. Ça a l'air pas mauvais. Bon, c'est du pain de mie en fait, hein, complet, je crois. Mais voilà, c'est des petites tranches et c'est peut-être plus pratique pour manger et pour tartiner. Bien sûr, j'ai pris mes cafés et j'en ai pris 3 boîtes. Voilà. Je me suis rendu compte que Timéo aimait beaucoup les gâteaux, les petits roulés. Du coup, je lui ai repris des roulés au chocolat cette fois-ci. Et je lui en ai pris à la fraise. Thiago, lui, c'est plus les biscuits barres chocolat au lait. Donc là, c'est pareil, j'en ai pris 2 paquets. Et Nathan, lui, c'est plus les Nutella Birelli. Donc j'en ai pris pour tous les goûts. Et enfin, je leur ai pris aussi un paquet de Kinder Bueno. Et pour terminer cette séquence, j'ai pris aussi des cracottes pour le petit déjeuner. Je poursuis avec les boissons. Là aussi, j'ai pas pris grand chose. J'ai repris du Coca-Cola qui, vous savez, part à une vitesse astronomique. Et j'ai repris ce jus de fruits qui fait sensation en ce moment à la maison. C'est les fruits du verger. Donc voilà, il est bon et pas très sucré. Et enfin, j'ai pris des despés, comme ceci, les despés rouges. Et pour terminer, j'ai pris un pack de badois rouges. Car je n'avais plus d'eau pétillante à la maison. Je vais finir cette vidéo par les produits d'hygiène corporelle et ménager. J'ai pas pris grand chose en hygiène corporelle, rien du tout. Et en ménager, j'ai repris simplement de la lessive extra et du papier WC Lotus XXL confort, voilà. Voilà. J'avais oublié de dire que j'avais acheté aussi une nouvelle calculatrice à mon fils. Ce retour de cours, j'en ai eu pour 154,61 €. À savoir qu'il y avait quand même 17 ou 18 € de calculatrice. Donc autant dire, j'ai pas fait des grosses courses.